Il y a un moment donné dans le séminaire où on doit rentrer dans une période que j'appelle balai masque. C'est-à-dire que nous feignons tous les jours d'aller bien dans notre entourage et quand on se plaint superficiellement, on ne le fait pas en profondeur. Sauf que le poids s'accumule avec les années et à force de prendre des claques et des punches comme ça dans le visage en permanence, au bout d'un an, deux ans, trois ans, les épaules sont lourdes. Et à ce moment-là, je demande à celles et ceux qui sont dans la salle, qui se sentent dans la détresse, de se lever s'ils le souhaitent. Alors Béatrice, est-ce que tu es suicidaire ? J'ai des fortes pensées. Qu'est-ce que tu as comme pensée ? Que, en gros, je ne sers plus à grand-chose. Mm-hmm. Pour qui ? Pour tout le monde, enfin, pour tous ceux qui m'entourent. Enfin, c'est ce que j'ai l'impression. Ah, alors, qui n'est pas d'accord avec ce que dit Béatrice ? Ben, je comprends pas, tu m'as dit tout le monde, Béatrice. Bah oui, mais... Non, tu sais, moi je suis un gars très basique. Hein. On m'a forcé à venir ici. Oui. Mais c'est vrai, hein. Ouais, ben moi aussi, hein. Tain, franchement, l'avion, je l'ai pas choisi, hein. Béatrice, tu, veux, tu accepterais de venir me rejoindre sur la scène ? Hein ? Quand le fond de Nicolas me demande de venir sur scène, déjà, je suis très très mal. Je me mettrais dans un petit trou de souris, ce serait très très bien. Et en même temps, je me dis, je suis là pour quoi ? Je suis là pour aller bien. J'ai envie de le connaître. J'ai envie de savoir qui est Franck Nicolas. Fais un petit câlin. J'ai le droit d'un câlin ? Attention, mon bras, j'ai mal au bras. T'as mal au bras ? Mais je peux utiliser qu'un bras pour un câlin, si tu veux. Comme ça ? Je te laisse faire, on sait jamais, tu sais. Ne dis plus jamais tout le monde, parce que pour moi, t'es importante. Tu comprends ? Tu as du respect pour moi ? Alors ne dis pas tout le monde, dis tout le monde, sauf Franck. Je me sens mal parce que j'ai honte. Honte d'avoir des idées noires. Honte d'avoir envie d'en finir.